Allez, mais non, c'est pas vrai. Ils se disent bonjour en plus. Allez, dépêche-toi là, bouge-toi là. Ouais, c'est ça, ouais. Merci, ouais. Allez. Bon, allez, avance maintenant là. Raconter ta vie. Pas une place quoi, pas une place. Ah, pas vrai ça. Quartier à la con là. T'en vas pas toi? Ouais bah bien sûr t'en vas pas, tu restes là où t'es, bravo. Putain, pas une cage quoi, pas une cage quoi, putain. Oh putain, mais tu peux pas faire gaffe là! C'est pas vrai ça, putain! Eh oh, tes parents ils t'ont appris quoi? Ils t'ont pas. Chier tous les gens du quartier là. Attends, déjà t'es qui et qu'est-ce qu'on a fait en fait? Bah rien. Tu vois, c'est bien ce qu'on vous reproche, c'est que vous en branlez pas une là. Vous faites quoi à part faire les racailles toute la journée là? Attends, attends, des racailles? Ouais, des racailles, ouais. Non mais tu viens et tu nous fais chier, tu nous insultes en fait. Non mais vous faites quoi là? À part foutre la merde en bas des immeubles, c'est quoi votre projet de vie en mais fait? On bosse notre bac là, qu'est-ce que tu dis toi? Ah ouais, votre bac? Oui. Vous me faites bien rire avec votre bac, vous savez à peine lire là. Oh là là, mais ouais, c'est bon, arrête de nous parler, c'est bon, et nous casse pas les couilles, d'accord? On est des gens sérieux là, on veut pas finir, on veut pas finir comme toi. Ouais, comme moi, pourquoi c'est quoi le problème avec moi en fait là? Bah je sais pas pourquoi tu viens nous faire chier là. Ouais, je vais vous faire chier. En fait, c'est vous là, putain, mais je vous entends rigoler toute la journée. Là, vous restez, regarde, putain, mais regarde-le ton pote là, il est avachi là, avec son bouquin. Je vous vois tous les jours là, à rien branler, à rester là, à rien faire là. Putain, vous avez pas d'autres choses à faire? À rigoler comme des cons là. Je sais pas vous, mais j'ai la flemme de taper un mec relou là. Ah ouais, taper, parce que toi, tu veux taper qui peut-être? J'ai dit que je voulais pas me taper un mec relou. En plus, tu comprends pas quand je parle. Ouais, d'accord, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. T'es bien gentil, hein, mais tu vas rentrer chez toi, ok? Ah ouais, bah toi déjà, tu vas rester à ta place. Oh, ah, ok. Oh, le mec, il se venir tout seul, il me touche les uns, ça va pas ou quoi? Tu touches les uns? Ouais, tu m'as touché. T'es en mode hashtag balance ton port ou quoi, hein, mon pote? Eh, je suis pas ton pote, d'accord? Eh, me touche pas comme ça, tu restes bien à ta place. Dans le coin directement, on va se régler. Mais attends, tu veux faire peur à qui là? T'as même pas honte, tu viens. Allez, vas-y, c'est bon, tu fais quoi? Allo, Pôle emploi, oui, bonjour, on a un problème avec un voisin là. Oui, c'est ça, un chômeur de masse. Faut venir le chercher tout de suite. Ça s'ennuie là. Ouais, c'est ça. Faut venir le chercher tout de suite, lui trouver un travail. Ah, c'est drôle, putain, c'est drôle. Putain, je me marre, c'est ça. 15h? D'accord. C'était Patricia, ta conseillère. Ouais, vas-y, tu vas être en face, sinon. Un travail, la vie, 15h. Ça fout vraiment, putain, bande de connards. Allez, bouge là. Toi, casse-toi. Oh, connard. Tu ne prends pas le rendez-vous? Malade, ce mec. Putain. Ça m'a dégoûté. Vas-y, on voit le truc là. Tous me voir crever la bouche ouverte ou quoi aujourd'hui? Thank you.
la Somalie au bord de la famine. En cause, la sécheresse qui s'étend dans le nord du pays, elle affecte des communautés entières qui vivent de l'agriculture. Des wagons, déposés là comme des bottes de paille, des complexes hôteliers ravagés où l'on ne perçoit aucun signe de vie, des kilomètres de dégâts après le passage d'une vague de 10 mètres de haut. Voici l'état d'intimider Kim Jong-un. Il promet à Donald Trump de lui faire payer cher ses menaces de destruction de la Corée du Nord. Après son discours bellé. Une pénalité réussie, la France mène 18 à 13, mais cette Dolce Vita sera de courte durée puisque les Italiens vont très vite anéantir les espoirs tricolores. Avec cet essai de Castro Giovanni, une victoire italienne en fanfare, le désarroi pour l'équipe de France. Elle veut ses fringues, putain! Ça qui veut! और सूरज दो